Je suis Jennifer Abel et je suis ici avec RW&CO pour la campagne Briser les barrières, pour parler de l'importance de se fixer des objectifs. C'est très important de se fixer des objectifs parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut évoluer dans la vie. Si je prends par exemple, lorsqu'on a un portable avec nous, c'est important de faire la mise à jour parce que sinon, le portable va tirer de l'arrière. Puis c'est la même chose avec nous. Si on ne fait pas des mises à jour avec où est-ce qu'on veut aller ou qu'est-ce qu'on veut devenir dans la vie, on va toujours tirer vers l'arrière. Puis c'est important pour moi, je pense, qu'on veut aller de l'avant. J'établis mes objectifs de façon très précise. Pour moi, c'est important de me fixer des objectifs à long terme, mais surtout à court terme, parce que c'est comme ça que je garde ma motivation. C'est comme ça aussi que je sais que je progresse dans ma carrière. Je voulais atteindre mes objectifs que moi, je me fixais et non ce que mon équipe se fixait. Je voulais la faire à ma manière. Donc, si je voulais faire quelque chose, je prenais la décision et j'assumais les décisions que je prenais pour justement me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ça s'est fait avec plusieurs années, plusieurs réflexions aussi, mais c'était vraiment d'apprendre à me connaître en tant que femme et non simplement en tant qu'athlète. Ma façon pour moi d'encourager les gens à persévérer, c'est vraiment de leur dire que demain va être meilleur que hier ou même aujourd'hui. S'il y a une chose que j'ai bien compris dans la vie, c'est que ça vaut pas la peine de penser trop loin dans le futur, puis ça vaut encore moins la peine de vivre dans le passé. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est qu'est-ce qui se passe présentement. Le meilleur conseil que je peux donner à des gens qui veulent exceller dans quelque chose dans la vie, c'est vraiment de s'écouter et de divulguer aussi leurs émotions pour pas enfouir tout ça dans notre petit sac. Pour moi, la signification de briser des barrières, c'est de se fixer des objectifs spéciales et de les atteindre. Si je peux prendre exemple dans ma situation à moi, quand j'étais plus jeune, il y a souvent des personnes qui m'ont dit que j'avais pas le physique pour me rendre loin en plongeon ou même on retrouve pas beaucoup de personnes de couleur noire exceller dans les sports aquatiques. Puis le fait que je suis devenue la première femme de couleur en plongeon à avoir une médaille aux Jeux olympiques, puis aussi, aujourd'hui, je suis l'athlète la plus médaillée des championnats du monde aquatique. Pour moi, ça, c'est une belle façon de briser les barrières. Je suis Jennifer Abel. Brisez les barrières avec moi.